Il va falloir que je rase cette barbe. On est sur la deuxième répète de Grand Cas. On sera du coup avec Kersey, Captain et peut-être d'autres personnes. C'est pour sa scène du 31 au Choc Théâtre. Donc dans tous les cas, vous allez voir la suite dans la vidéo. Allez, bah c'est parti. Yo! Merci, Captain! Le Lyric Rock qui va être avec nous et qui suit également le collectif Collimateur. Ouais. Qui sera donc en fait tu vas gérer les deux groupes de la scène en fait. Ouais, mec. C'est lourd. Oh bah Ursel. Oh, quoi, tu vas nous. Ça va bien et toi? T'es bien tout ma gueule, hein, c'est grave. Et bah du coup tu veux faire comment? Tu veux faire tous tes sons en mode dans l'ordre? Bah en effet, après dès que Captain il arrive, on se bosse plus RC, après on fait un filage, je pense. Vas-y. Bonjour Captain. Bonjour madame. Bonjour. La caméra, madame la caméra. Elle commence à cacher des feelings. Moi, j'ai fini enfin fraîche. Les mains sèches, j'ai rien de stress. On fait ça au cas, je fais pas le barbeau, je plein dedans. Maquillage au casse. Hein. Et comme ça. Elle fait la cour et qui t'amène sur les champs. Comme vie de pirate, tu sais déjà, je donne mon cœur qu'à mi-temps. Encore besoin de. On fait encore une fois, on fait encore une fois. Et moi je me dis qu'il me contrôle. 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 Voilà, j'avais dit que j'allais raser ma barbe. Je suis arrivé, le Choc Théâtre. Et ben, c'est le jour J. Ça c'est Collimateur ça. Donc là aujourd'hui ça sera une partie Collimateur, une partie Grand K. Et Lyric Row qui accompagnera du coup les deux groupes. Et Captain qui fera sa magie, on le connaît. Avec RC aussi qui va être là. Allez, on y va. Vous en faites bien. Bon alors mon gros, après toutes les répètes que t'as fait, c'est le jour J, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça va, hein. Je suis content, très content d'être le jour J. Et tu passes avant ou après Collimateur? Je passe avant Collimateur. Hein. Du coup avant Collimateur, donc après et vous aurez un extrait de Collimateur. Captain et Tartar. Et let's go hein, allez. J'aimerais bien voir le point de vue que tu vas avoir. Tuk tuk. Ouais c'est cool hein. Okay. Moi les gars je vous laisse la place, pour soi c'est juste pour clipper l'avant-dernier son. Ok, ok. On va se mettre d'accord sur l'avant-dernier son, vous me laissez vite fait la scène, que je fasse des belles images de gros cas. Vas-y, hein. Genre, t'inquiète, si c'est pour un son, t'inquiète, moi on s'en bat. J'ai l'impression d'être un marine. Sauf tes camarades. J'ai tout vu, Johnson, tout. Jamais peur ta merde aussi grande. C'est Cosmo, c'est Charlie, et il va m'accompagner également aujourd'hui sur l'image, mais lui ça sera beaucoup plus pro. Bon, il a rangé le matos, mais voilà, il est pas sur un portable. Ça fait quoi d'être en lumière? J'ai l'habitude. C'est le mec qui a la grosse tête alors qu'il est nulle part. Je mérite cette lumière, je mérite cette douche. Je mérite tout ce qui m'arrive. Donc là, il y a le SAT qui va prendre des rushs du Grand Cas pour un potentiel clip, c'est ça? Ouais. Attends de filmer un truc lunaire moi. Ça n'a aucun sens. J'ai trois caméras pour moi. C'est normal. Ça flingue. Ça flingue de fou. Il arrête sa cam, il va sur une autre. T'es un boss. Je t'aime, Kim. Ça tue. Je t'aime fort. Ça tue, gros.
de gérer mon image. Je te jure, c'est trop instable. Ouais, il commence avec raison, donc c'est C mineur. Arrête de me filmer. T'inquiète, je gère ton image. Je vais pas te cramer, mec. Je vais pas te cramer. Je fais ça pour toi, gros. Je fais ça pour ton bien. Ta gueule! Vas-y, vas-y, mon gars! Hey. Y'a rien qui va, les amis! Ça sera coupé au montage. Ah? Ouais, d'accord, bonsoir. Alors, généralement, on sait pas trop quoi dire dans ce moment-là. Et c'est bien pour ça que ça devrait pas être filmé. Merci. Tu peux faire un total bêtisier sur cette journée, tu sais. Ça. Allô. C'est quoi les... C'est mieux ou pas? Non. Vas-y, parle. C'est mieux, c'est pas mieux, c'est mieux. C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Là, c'est mieux peut-être. Merde. Ah, mais c'est la merde. Hein. On a combien de temps là? À peu près. On a... Putain, j'ai oublié de reprendre mon jack. Regardez la déconcentration, ce que ça fait aux artistes. Est-ce que l'auto tu l'émises? Non, c'est pas la bonne plaisir. C'est juste que je chante mal. Ce qui fait mon mental. Les mots s'assassinent, on manque tout de finesse. On sait ce que pense mon père. À mon avis, faut reprendre la prière pour vos cuisines ici. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu ton cœur pour remplacer un lien. Attendez deux secondes. C'est peut-être pas la bonne clé au final. C'est peut-être pas la bonne clé. Je veux bien. C'est pas ma faute, ok? Je suis pas un expert en musique, mais. Vous voulez pas me laisser prendre mon jack? Qui ont des vies, et qui vont bien mal. La transition scène. Je savais dans ma. Ouais, bah ça va, j'ai l'impression que ça fait 30 ans. Les grands sont décibés, les petits vont bien mal. On va se venger sur scène, juste à l'état mal. On va se venger sur scène, juste à l'état mal. On va se venger sur scène, juste à l'état mal. Ah, tu m'as plu, moi. Mais c'est logique. Non, c'est pas logique. Des fois, c'est trop triste, la vie. C'est pour ça qu'il y a des balances. C'est pour ça qu'il y a la drogue, c'est ça que t'as dit. Il y a des balances. Comment t'as pu entendre ça? T'as mis la bonne clé? C'est Dominor, connard. T'as quoi dans la gamme de Dominor? Bon, attends bien. Donne-moi une bonne raison de voir ton visage d'où es-tu. Ah non, je m'en trompe de clé là. Yes, I can. C'est bien. Yo. Oh, grand gars, t'as signé ton premier contrat? Ouais, ça y est, je suis officiellement un artiste. Avant, je l'étais pas, hein, mais depuis que j'ai signé, ça a changé quelque chose. Mais ça fait plaisir, tu vois, c'est un investissement quand même. Ça fait longtemps qu'on charbonne, donc ça fait quand même un peu bizarre. Genre en mode, on commence à gagner de l'argent quoi. Je suis content d'être là pour ta première fois. Et de filmer tout ça. Comme ça. Non, parce que là on est trois caméramans quand même. Putain, grave, je suis
surtout. Putain, mais gros, c'est que je me faisais la réflexion, gros, que toi t'étais là à mon premier concert aussi. Tu sais, sur la péniche. En fait, lui, gros, il était là depuis le début, gros. Mm. Damn. Il était là, c'est premier concert, c'est lui qui faisait DJ. Ouais, bah tous, c'est vrai. Mais à partir de ce moment-là, on a eu la malédiction des balances. Ouais. Putain, dès le premier. Les gars, je préfère qu'on ait une malédiction des balances qu'une malédiction du concert. Après, comme Lucas dit, souvent, en vrai, c'est souvent, nous, ça se prouve souvent, c'est que mauvaise balance, bon concert. C'est ça. Moi, je me sens bien là. Donc là, avec ce bien des balances, bonne merde, le concert, ça va être le feu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est parti, vous êtes ok? On va aller d'ici 5-10 minutes, maxi. Allez, let's go. 10 minutes, maxi. Allez, putain, une petite branlette et puis on y va. On la garde. Celle-là, on la garde. Ça vite, hein. Oh, je peux être très efficace. Ça, c'est filmé, cette histoire. Là, on est là, ce soir, au Choc Théâtre, pour le concert du manga Grand K. On va interpréter nos deux morceaux en version acoustique, cette fois. Je vous invite vraiment à suivre ça, parce que ça va être une grande première pour nous. On est super contents du résultat, j'espère que vous allez apprécier. Continuez à nous suivre, RCZ, comme d'habitude, Grand K, comme d'habitude. L'Italie derrière la caméra. Toujours. C'est carré, hein. C'est carré, ma gueule. Non, c'est bon, j'arrête. C'est bon. Allez, go, les gars. Je te vois dans ma tête comme une esquisse, modulée.
pas mon envie de là. On fait le truc pour que la vie se vende. Attendez-moi, y'a rien qui sort. C'est qu'est-ce qui se passerait si je partais d'un coup comme ça? Ça a donné posthume. Sur une composition piano de Kevin. Faites du bruit pour Kevin, s'il vous plaît. Dégueule. Je pense qu'on peut y aller. Ouais. 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 C'est pas facile tous les jours. Hein. Si je parie la paix, si je parie le ciel gris, un air froid sur mes frères. Il y aura ma mère en larmes aussi, et mon père me dira, faut qu'on parle, mon fils. Il y aura la terre qui s'arrête un instant, juste le temps que je monte et reprendra pour de bon. Il y aura mon corps enfermé dans un costume, le capitaine devra mixer l'album posthume, ce sera des postes. Mais vu comme si je valais plus qu'avant, si je bâcherais l'ange gardien, celui qui vous protège l'étoile au-dessus de vos têtes, c'est moi celle qui clignotait. Solitude de Scylla résonnera dans cortège, 500 textes à la corbeille. Des mecs qui me connaissaient pas diront que j'étais exceptionnel, tout en pensant que c'est mérité. J'aurais sûrement pas d'héritier, et c'est le cas, pardonnez-moi, il était temps. Dieu l'a choisi, il n'y aura pas de tournée. D'au revoir, tout ce que j'ai chanté, je le pensais depuis le fond de mon putain de cœur, depuis le fond du putain de bar jusqu'à la pointe de l'Everest. Tout manquera, alors qu'avant, je voulais toujours rejoindre le ciel. Mais sois en boucle, dans une bouteille qui traversera sa décennie, puis retournera à la poussière. Pour me rejoindre au paradis. Mais la vie est belle quand même. La transition. Sur messagerie, j'ai laissé ma voix. Des fois la capine, ça peut laisser un froid. Je te parle de ma vie, qu'est-ce que t'en as à battre? Tout le monde a des soucis, mais plus serait des gars. Dans une belle galère, faire de l'argent pourquoi? Ma pensée éphémère, sur le bord d'une plage. Un couplet bâclé sur un piano qui cherche. Je suis reparti gratter, histoire de voir ce qui se passe. Et la vie est belle, on l'oublie des fois. On se plaint comme des mômes tout le temps. On se voit dans un film. Et la vie est belle. La vie est belle, je te jure que la vie est belle.
fois que tu te sens fou sur tes maquettes qui me saoulent. Pourquoi je suis bien en dessous, je me maîtrise dans ce truc. C'est ma vie tous les jours, je peux pas dire que c'est dur. Puis si tu m'écoutes, c'est que j'ai gagné, c'est sûr. Là c'est plus une passion, c'est une drogue qui me tue. Comme la tristesse, je ressens quand je prends ma vie d'adulte. C'est la merde, j'ai envie de baiser le monde. Et puis je me rappelle, c'est ici que maman. Un jour on m'a dit que j'étais un homme bon. Et puis la semaine d'après, j'étais mort dans ma chambre. C'est mon âme qu'on achète à chaque truc qui apparaît. Plus proche de la merde que tout ce que j'espérais. Je traîne un pays, je suis en bas des chaînes. Pour me rassurer, je me dis que la vie est belle. Et la vie est belle. Je t'aime facile, innocent, pur à la limite de l'imbécile.
Monsieur RCZ, est-ce que vous êtes là? RC Il est là, il est là. Et on a sorti deux morceaux ensemble, un sur le projet et un autre qui s'appelle, il y en a un qui s'appelle Une raison et l'autre qui s'appelle Ma faute. Et on va vous les faire aujourd'hui. Un genre de mec qui te fait la cour et qui t'amène sur les champs. Envie de pirate, tu sais déjà, je donne mon cœur qu'à mi-temps. Pas besoin de docteur, s'il te plaît, ne t'en va. Fais-le encore une fois, peut-être qu'on fera un bout de rose. Ensemble, je me lasserai au bout de 12 secondes. Donne-moi une seule parole. Raison de voir ton visage doux. Trésor, donne-moi une bonne raison de revoir ton visage doux. Merci pour la touche, Hervé. Faites du bruit
aussi pour mon frérot qui est là, qui me suit dans toutes mes aventures. Faites du bruit pour monsieur Little Leaf, monsieur Attention. Faites aussi du bruit pour ça, qui est en train de qui m'a pris un clip là, qui est juste là, il vient de prendre un clip. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Faites du bruit pour monsieur Lesmond aussi, l'homme de l'ombre qui fait plein de travail, qui est là et qui pense qu'on va faire. Et enfin, faites un maximum de bruit pour le Choc Théâtre, s'il vous plaît. Et c'est très important, ça va être bateau, je peux le dire, mais à tous vous de personnes qui vous portent, qui vous donnent de l'amour, et qui vous portent dans vos projets, et qui vous permettent d'atteindre vos rêves, parce que sans ces personnes-là, je ne serais même pas là, en fait, actuellement, devant vous, sans Captain, sans Kevin qui est là, sans Adam aussi, tu participes, merci aussi, qui m'accompagne, je l'envoie, il donne plein de conseils et tout ça, à ma famille qui est là, merci beaucoup de me supporter dans ce que je fais. Merci les gens qui sont là, je vous vois. Charles, Soleil, Kevin, j'ai pas des plus gros d'être là. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, oh! Le choc mental, choc mental. Merci. Oh putain, le choc mental! Christophe. Bon, allez, il y a des camions, mec. Bon, allez, on passe sur la dernière. C'est parti. Elle a pas de nom parce que je vais pas donner de nom. C'est juste un piano, voilà. Ça s'appelle Pierre, du coup. Ça s'appelle Pierre. Yeah.
son c'est un star game recapté. Devant le match approche la chef locale. C'est bloqué dans toute ma tête. Trop de papier, on dirait que tout s'achète. Je veux grimper la côte, porter ma vie comme si j'étais Maxon. Le dé, je suis dans mon physique, l'ancienne. Je suis bloqué sur ce que l'effort m'a scène. Vive la sassène, tout ça rend pas. Par en bas, mais mes enfants parlent fort. Par en tas, mon le rap sans pas trop. La porte, dans tous les coins de ma zone.